Kids. Salut Sacha, salut Milan. Salut Dan. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme recette? Des crêpes buonissimo. Des crêpes buonissimo, ok. Alors c'est bientôt la Chandeleur et effectivement on va faire des crêpes. Alors on va attaquer avec les ingrédients qu'il nous faut pour faire ces crêpes buonissimo. Alors Milan, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les crêpes? Il faut de la farine, ouais. Du beurre, oui. Deux œufs, oui. Du sucre, oui. Du lait, et ça je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est, Sacha? De l'arôme de vanille. De l'arôme de vanille, ok, très très bien, ça va nous donner effectivement un petit goût très très bon. Allez, bah écoutez, on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc vas-y Sacha, tu nous remplis le mug de farine. Je suis le pirate cuisinier. Ok, bah t'es pas mal. Voilà, ça... encore un petit peu, encore un peu. Ouais, stop, ça suffit. Ça me donne envie de faire pipi. Une petite bulle, pouf. Allez, on verse. Oh. Bien au milieu pour et pas renverser. De... Allez. Oh. Tu peux tenir avec un bras, Milan, et tu remues avec l'autre, deuxième mug. Deuxième mug, wow. Ouais. J'aurais jamais bu autant de lait de ma vie. Encore un peu, allez stop, ça suffit, pas plus que ça. Et voilà. Ok, donc on a mis deux mugs de lait pour un mug de farine et maintenant on va bien remuer. Allez, remue Milan, tu remues bien. Sacha, tiens le saladier. Attends, ouais, sans en mettre partout, hein. Tu remues mais sans en mettre partout. On va mettre le sucre, on va mettre 4 cuillères à soupe de sucre. Allez Sacha, voilà. On y va. Donc normalement on peut mettre le sucre sur la farine, après rajouter le lait, mettre les œufs sur la farine. Franchement nous l'ordre on s'en fout, les crêpes elles sont quand même bonnes, ça marche quand même. Donc s'il y a des pâtissiers professionnels ils vont nous dire oh là là mais comment ils font ça, mais je peux vous assurer que nos crêpes, nous on les laisse pas reposer, on les fait comme ça, crêpes express et elles sont délicieuses. Sinon, tu peux, tu vois, si tu réfléchis un tout petit peu, tu peux rapprocher, voilà, comme ça, tu as moins de trajet à faire. Allez, première, deuxième, un peu plus grosse cette cuillère, troisième et quatrième. Donc, normalement, ça fait à peu près 60 grammes de sucre. Allez, vas-y, Milan, remue. Il y a à peu près, ça peut faire 65. Ouais, 65, 62, franchement. Si vous avez une balance alimentaire, vous pesez, sinon, bah, c'est pas grave. Allez, on va maintenant casser les deux œufs. Ça, c'est là. Là, c'est bon. Alors là, le jeu, c'est d'essayer de casser l'œuf sans mettre du coquille. Allez, on mélange bien. Oh, du colorant jaune. Alors, allez, comment cette pâte à crêpes? On est pas mal. Bon, ça me donne pas envie de la manger pour moi. Ouais, comme ça, c'est vrai que ça donne pas super envie, mais elle va être très bonne. Par contre, Milan, lui, il se régale, même avec la pâte. Les bonnes. Bonissimo. Ouais. Ok, maintenant, on va rajouter... L'arôme de la... De... L'arôme de vanille. De la pomme. Deux cuillères à soupe d'arôme de vanille. Et moi, je vais mélanger. Alors mets-toi au-dessus du saladier comme ça, au cas où tu dépasses un peu. On dirait du coca. Hop. Une. Oh là là, deux bien copieuses. Hein. C'est presque trois ça. Allez, on remue bien. Oh, c'est pas grave. Elles seront bien vanillées nos crêpes. Ah, j'adore la vanille.
Ok, maintenant on va rajouter notre beurre. Donc on va prendre 75 grammes de beurre. 75 grammes de beurre, c'est facile. Sur les barrettes de beurre, il y a des petits traits où il y a écrit 25 grammes. Donc vous coupez avec un couteau. Super. Eh bien, écoutez, notre pâte à crêpes est prête. Je pense qu'on l'a bien réussi. Mylène, qu'est-ce que t'en penses? Oui. On est bien ou pas? Ouais. 10 sur 10? 10 sur 10. Allez, 10 sur 10. Allez, ben maintenant, on n'a plus qu'à aller les faire chauffer sur la poêle. Cette recette de crêpes est terminée. On espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous assure que ces crêpes sont très très bonnes. C'est des crêpes qui sont vraiment buonissimo. Et dites-nous en commentaire si ça vous plaît, si vous avez fait cette recette. N'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. Salut, salut. Salut.